Voici le dernier match entre Free et S3 Cloud. On a de le joueur puisqu'il manquait de personnel dans leur clan. Il y en a qui se sont qui ont déserté. Un petit peu manque d'honneur selon moi, mais bon, ça c'est mon opinion personnelle. Nous avons droit à un PVT entre Riser en haut à gauche en Protoss Mauve contre Zoro, notre Free. National qui est en terrain bleu. Good luck à fond à nos deux joueurs. Ce match se fera sur Frost LE. Bon. Vas-y, mon Sion, dis-moi ce que t'en penses. Ça va-tu être un bon match? On va-tu avoir le droit à un match de qualité entre deux joueurs de qualité? Possiblement, peut-être une game de 1 heure. On mine up toute la map. Puis nous tirer partout, mon pitbull. D'ici dans 3 heures, on va être encore dans la game. Oh my god, ça serait tellement. Changement des autres games de proxy pis de cheese qu'on a eu, oh my god. Beaucoup de cheese d'early game. Ouais. On a pas eu trop de macro game. Non. Je pense que. Même en TVT, ça a été très vite ça là. Ça a été beaucoup de proxy backs. Oh my god. C'était un bon clan war pour notre cher ami Ive, lui. Il s'est senti vraiment dans son élément. Il a parti ça en force, lui. Bon, nous avons notre premier Rax que Zoro a fait. Nous avons un early scout, selon moi, de la part de Riser après avoir mis sa gateway. Un scout, Poxy Pylon, nous allons voir tout ça très bientôt. Le gaz est en construction du côté de Zoro. Fait que gaz et baraque, first, c'est très. Standard. Ninu. Problème de chien dans la maison. Est-ce qu'on sait si Zoro aime ça, le TVP? C'est un match-up qui pratique beaucoup avec nous, parce qu'on a quand même Mammouth et Spina dans notre équipe avec qui il peut beaucoup pratiquer. Mais Zoro, c'est plus un style raton ladder, t'sais. C'est un peu nébuleux ces choses, et on sait qu'il y a certaines. Il y a une misère avec certaines compositions en TVP. Ça, je le sais, je l'ai vu dans le chatroom, mais je crois qu'il va quand même bien s'en sortir, là. Il est bizarre contre un build en particulier. Ok, là il est prêt à Tower, les deux ils s'embrassent là. Ils se disent salut, ils s'en vont chacun sur leur chemin. Ouais. On va sûrement faire un Reaper, je pense, notre ami Zoro, qui va lui permettre de scouter la map. Ouais, il va aller pour un CC ensuite là. Ok, le build macro. Relativement standard, peut-être un peu greedy. En même temps simple, j'imagine. Ouais, c'est la map là. Pas trop fréquent, les cheese. Riser qui est au courant, mais. Je peux sûrement s'en douter en voyant le CV sur cette ramp. Quand même réagir, on voit qu'il y a juste un gaz, donc lui aussi va y aller pour le Nexus. Ouais, pis là, game. Il a fait un Zilot. Pas Zilot, ok. Il a peut-être cancellé pour pouvoir l'argent pour faire le Stalker. Ouais, c'est ça. Oh non, le Mothership Core en fait, je pense. Parce que Zilot c'est pas une super bonne idée contre le Reaper là. Donc on va peut-être avoir droit à une grosse macro game sale, mon pitbull. J'aimerais ça, sérieusement là. Même moi qui est un gros enlineux, j'aime ça voir des joueurs de talent capables de faire telle partie macro là. Bon, le CC est à moitié construit de la part de Zoro. T'sais, on fait des bunkers. Un réacteur sur sa première axe. Va pomper des marines justement s'il y a un early aggression. Parce que là, le scout à Zoro est pas late là, mais 5 minutes là. Fait que tu sais, il aurait pu avoir n'importe quoi dans la base du Protoss. Bon là, le scout il voit là que. Bon, un cyber. Gate, on chronobos le Nexus, c'est rien de trop grave. Ouais. Mais là, il va avoir manqué la robotique. Ça, ouais. Ça, c'est triste. J'espère qu'il va y retourner. Riser qui a attendu que le Reaper sorte pour découvrir la tech. Est-ce que ça se pourrait possible que Zoro décide d'aller mec ce game? Il a fait une factory très rapide. Je sais pas si c'est pour faire un harass avec une starport ensuite. Qu'est-ce que t'en penses? Ben. Il y a plusieurs options qui sont faites à lui. Là. Parce que là, la starport, la factory. La factory, va-tu la laisser. Ok, il fait des mines. Bon. Il fait des mines. Juste ça, je veux le savoir. Bon, il va-tu opter pour des mines, des lions? S'il a pu faire un drop et lion qui peut être effectif. Un petit harass. C'est ouais, ça. C'est ça, un petit harass, tu sais. Mais non, finalement, il va opter pour des mines. Bon. C'est une bonne chose. Côté de Riser, tu sais, il a quand même scouté les coins de sa base. Il regarde, voir être sûr qu'il n'y a rien d'anormal. Il chase le Reaper. Le Reaper prend de l'information. Il a vu la robotique. Il a vu la robotique. Il a fait une autre bâtisse. Oh, il est... Ok, là, il s'en va Quick Colossus. Bon. Faut vraiment que Zoro trouve un. Ben il doit s'en douter là, tu sais, c'est peut-être un super face robot là. Puis on s'entend contre des marines, des immortels, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Fait que on sous-entend qu'il va avoir des colossus. C'est quand même un bon choix de tech de la part de Riser, qui s'en doute pas, mais qui a un drop mine qui s'en vient. Donc ça va pouvoir l'aider à dealer avec ça. Parce que avoir été aligné sur une autre stratégie, les mines auraient pu être beaucoup plus chantes que ce qu'ils vont l'être présentement.
que s'il est attentif, normalement il devrait pas avoir trop de kills avec ses mines. Tout ce qu'il aura à faire après, c'est faire un observeur et cleaner ça. Ok, là je me demande c'est par quel flanc Zoro va. Quel flanc que Zoro va opter. Ok, il va opter par le côté nord-est de la base à Riser. Pas sûr que ça va être super efficace. Là. Moi j'ai opté plus pour le. Mais c'est sûr que moi je vois ce qui se passe là, par le sud là. Mais bon. Bah, c'est ce qui va se passer. On pompe encore des racks du côté Zoro, fait qu'on peut pas être sûr qu'il va s'en aller bio. Son choix de tech. Ouais, en plus avec deux Engineering Bay, c'est sûr qu'il va s'en aller bio, il va falloir ses upgrades. Contre, les Colossus, ils devraient commencer à pomper. Je sais pas s'il va y aller pour ça. T'as pas vu encore les Colossus, c'est juste la robotique par exemple. Ouais, mais là, il va voir ce qui se passe, et d'un, puis deux, il a mis son réacteur sur la Starport, fait que il va faire des. Ping bien assez vite. Bon, un like de Riser. Est-ce que Riser va réagir assez vite? Ok, là, le lag avant le drop, ça c'est faible. Ok, bon. Go go go! Une réaction de la porte de Riser! Zoro qui fait un petit move là, un peu spécial. Riser qui est aucunement un les premières shots de mine. Ok, Riser, il se passe à rien, y'a rien dans la base. Voyons! Son autre est unit, Riser. Donald attaque, mon ami. Là. Ok, le Colossus qui sort! Et non! Bye bye, les mouches. Moi je me sauve avec le turbo midivac au pire. Bon. La mine qui a réussi à faire quand même. De dégâts. Oui, ouais, quelques probes. Là, il avait sorti son observateur, fait que ça dénaille le push. Zoro, qui est maintenant à la vue des Colossus, va sûrement commencer à faire des Vikings. Déjà une deuxième Starpot en non, production. Non, il stresse pas trop. Il fait encore du Medivac. Ouais, sans qu'il a besoin d'un peu de Medivac dans son armée. Ouais. Mais avec la deuxième Starpot, on serait pas étonné de voir des Vikings qui commencent à y aller. Ouais. On enregistre un research aussi le Steam, parce que des marines droguées, là, ça fait mal. Là. La deuxième starport ici, qui avec le réacteur est terminé. Un autre CC en arrière. Oh my god, ça s'en vient. Là. Ça le s'en pouvoir vient. Des mules, people. Le pouvoir des mules. Bon, le 1-1 qui est à 75% terminé. On produit du Medivac. Côté de Zoro les encore. Les supplies sont relativement serrés aussi. Ouais. Les deux joueurs dépensent quand même relativement bien leur argent. Par exemple, une petite mini banque de gaz. Justement pour. Faire des Colossus ou whatever là. Est-ce que notre Protoss aurait pu oublier je pense pour les Colossus? Ouais, c'est après le research justement là, c'est ça. Riser, il y avait un observateur près de la base de Zoro, mais. Mais d'abord, c'est pourquoi qu'il l'a pas envoyé dans la base savoir ce qui se passe là, tu sais. Ok, le Zoro sort de sa base là. Avec. Il y a un petit groupe de. Je pense qu'il cherche peut-être à mettre la pression sur le Protoss, voir s'il peut réussir à tuer quelque chose. On va voir, je sais pas s'il va être capable de faire. Là, quand même, il y a quand même le Photon Overcharge, deux Colossus. Et le pouvoir des marines maraudeurs vikings va être suffisant ici pour pénétrer la base du Protoss. Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'il y a juste un Medivac. Fait que tu sais, il peut pas, avec un Medivac dans son armée, il peut pas s'amuser maintenant à dropper sur l'high ground, low ground, essayer de sortir du range des Colossus. C'est juste le seul hic de son push présentement. Parce que 3 Colossus. Ah, et là, Mama Corp et tout, se mettre à en aller chez vous pour attendre. Peut-être qu'il aurait pu en profiter pour se à la possible B3 du Protoss, le forcer oui. À canceller. Oui, ça a été une bonne chose. Surtout que souvent, les terrains vont dropper juste sur le cliff en haut de la B3, là, puis tank ou whatever. Là. Ça fait mal. On a quelques stalkers en mode défensif dans la base de Riser. Pour prévoir les drops. La research du Tamil Lens qui est terminée. On chrono boost la robotique pour un autre. Un quatrième Colossus. Ça commence à faire beaucoup. Ouais, il va faire une genre de grosse dead ball Protoss à clic là. Je sais pas c'est à partir de quel nombre exactement ça devient un nombre critique, mais c'est sûr que Zoro va avoir beaucoup de Vikings pour être capable de les sniper. Mais, tu sais, Zoro, c'est un joueur brillant. T'sais, il voit ça aller, ok, il avait réagi, il a fait les Vikings. Il sait que si, mettons, il est pas capable de battre le Protoss avec le premier push, tu sais, il a fait deux autres axes. Fait que là, la Repop va être quand même intéressante. Fait que le temps que le Protoss avec son armée lente arrive à sa base, il va être capable d'avoir un autre batch d'armée. Parce qu'il y a pas... Le combat commence. Ok, non, il va backer. Steam. Oh shit. Il va attendre de regrouper avec tous ses Vikings. Ouais, c'est ça. Je pense qu'elle a un choix qui pourrait être bon pour Riser, c'est que. Ouais, il n'a pas scouté avec l'op, mais s'il voyait qu'il avait fait deux starport réacteurs, il pourrait essayer de. Comment je voudrais dire, déjouer Zoro et changer de tech à Storm. Ouais, ça serait le choix le plus logique selon moi. Et c'est ce qu'il est en train de faire même. Il avait le Temple Archive, le Chrono Boost, l'upgrade pour les Storms. Ouais.
en haut à gauche de la base. Puis justement, il voit que Zoro commit sur beaucoup de Vikings. Il va essayer de faire un tech switch pour le surprendre. Zoro, je sais pas s'il va prévoir les Ghosts. Mais on sent qu'il va faire une attaque. Là. On sent que Zoro veut être agressif. Veut essayer de pick up des Colossus, peut-être. Mais c'est ce qu'il fallait qu'il fasse. Là. Fallait qu'il sorte le Storm. Il y a beaucoup trop de Vikings là, pour la quantité de Colossus. Là. Ouais, okay. Il avait gagné du temps avec les force fields pour empêcher les marines de trop pousser. Selon moi, il aurait pas... La laine de viking, là. C'est quand t'as plus de vikings que de maraudeurs des poules, là. T'en voulais pas, de connaître. OK, là, on continue la pression du côté du Zoro. On rallie les unités. Les unités, bon, encore des vikings. Il y en a beaucoup, de vikings, beaucoup là. Beaucoup de vikings, mon Ok, les Storms, ils s'en viennent tout tranquillement. Ok, le research est terminé. On a des Stalkers en masse. Ok, là. Tu peux backer ton armée, Zoro. Je pense en fait que ça doit être un bon moment pour lui d'attaquer parce que Riser n'a plus de Storm, plus de Colossus. Il devrait, je pense, continuer à mettre de la pression là, parce que tu vois, même qu'il a un scan, il voit qu'il y a juste 6 Stalkers. Ça met un peu de bio, des Medivac. Je pense qu'il reste très continuer à faire de la pression et peut-être qu'il attend de regrouper. Ok. Pourquoi les Templars à l'est de la B3? Ça, je me le demande, en tout cas. Peut-être possible qu'ils veulent utiliser les Medivac, Ouais, mais. Mais là, c'est sûr qu'il faut pas qu'ils oublient, là. Faut qu'ils les amènent. Ouais, parce que. Qu'ils veulent faire un move à la GSL, les mettre cachés, et quand Zoro commet à l'attaque, arrive du côté avec les Storms, et boum, voilà, ils Storm tout, quoi. Ouais. Parce que là, il y a beaucoup de Vikings, ok? Ça c'est quand même bon, mais. C'est du dead, tu blagues contre les Storms. C'est ça. Oh, oh my god, un free mortal, ça c'est pas bon. Là, là les vikings sont carrément useless contre... Ok, là ouais. Zoro là... Ça fait mal. Deux vikings. Zoro va devoir sûrement commencer à faire la grosse Akamimi, je sais pas si les. Ouais, je m'en viens checker ça, excusez. Là. Ouais, elle est faite. Donc... La research. Prêt au Switch Storm, une bonne... tu vois même les surprises, c'est 170 à 121 presque. Mammouth, mais notre ami Zoro ici en produit, c'est pas le but. Ouais. Et il va focus faire le Nexus, j'espère. Non? Ok. Essaye de prendre tout ce qu'il peut, tu sais, en micro, en arrasant un peu l'armée Protoss. Il peut utiliser la mobilité des Medivac. Force le pro. Exactement. Va utiliser les Medivac pour se sauver de l'armée Protoss. Va se mettre de la pression, macro. Zoro va bientôt pouvoir commencer à jouer des encore plus agressif parce qu'il va avoir il y a tellement d'incom ici et il va être maxé. Peut-être qu'il attend les upgrades avant de faire un dernier push. Ouais, je vais regarder une petite chose avec toi. Mon... Tu vois là on est à 2-2, le 3-3 est après Research du côté de Zoro. Du côté du Potter, on est à 1-0-2. T'sais, c'est quand même acceptable, mais là... Faut vraiment que ces Templars fassent des dégâts. Ouais, il va falloir qu'ils fassent des énormes... Des bonnes connexions de Storm là, parce que... Protoss qui essaie de faire une B4, mais malheureusement, il va peut-être même perdre le Nexus. Je pense qu'il y a cancel. Oui, là, et le premier MP de la part de Zoro sur ouais. Les Protoss. Ouais. Il y a des feedbacks qui se font pour les feedbacks. Est-ce que Zoro va engager? Oui, oui. Oui. Mais j'aime pas la façon que l'armée de Zoro est positionnée. Là. Non, ça, faut pas que ça se passe comme ça. Donc, Riser qui décide d'abandonner les Storms, les transforme en Arcon. Ouais. Mais si Zoro réussit à l'ND 1 ou 2 AMP, ça va être désastreux pour l'armée à Riser. Là. Vraiment pas qu'il se fasse prendre un seul moton. Faudrait qu'il soit capable de splitter un peu son armée. Que Zoro puisse l'ND des super beaux MP. Et Zoro, ah, tu vois beaucoup, ici qui essaie de trouver. Beaucoup tu vois Zoro qui essaie de trouver un engagement favorable pour lui un ouais. Peu. Obliger le Protoss à sortir un peu de sa base. Là. Il veut l'amener où qu'il veut le combattre. Mais non, là, je. Ok, et le premier beat, le combat commence. Ok, attaque. Kite, mon Zoro. Bon, parfait. On va faire 3 lives. Non. Calme encore pour voir si je peux réengager. Essaye de trouver un bon endroit à faire un puits sur les harpons qui va faire beaucoup de chips. Les autres aussi, les plusieurs sont affaiblis là, mais bon. Est-ce que Zoro va décider de faire le hot kick, de backer et de continuer à harasser? Parce que les midbacks n'ont plus beaucoup d'énergie là, Pitbull. Ouais, puis moi j'aime pas ce qui se passe là. Protoss il défend quand même très bien. Je crois qu'il est d'être patient. T'sais, Zoro il a toujours été renommé pour être un joueur patient, ça lui fait gagner beaucoup de parties. Zoro qui est rendu même sur une B4. Et moi je serais curieux de savoir, Pitbull, selon toi, est-ce que ça se pourrait que Zoro ici ait maké trop de CV? Je crois qu'il en a 80. 80, ouais. Beaucoup de
bank, est-ce que ça serait intelligent peut-être qu'ils fassent plus de CC, tu les... ouais. Peut-être tu sais, un peu de CV? Mais je pense qu'il va attendre un autre, que ces autres CC soient complétés. Ensuite, il va faire des transferts de CV, puis il va juger si oui ou non il y a besoin de... 3-3 fait... Ok, là, t'as un peu... Aussi, là. Quelque chose... Ok, le Warprism, justement, ici, là. Il écoute ce qui se passe. Fait que là, le Protoss sait qu'il y a une B4 et une... On peut l'appeler la B4, là. Il a vu le transfert de CV. En gros, il y a... Continue à faire des CV, mais ouais. Il est rendu à 83, je pense que ça devient un problème. Il devrait essayer de libérer un peu de supply pour avoir une plus grosse armée. Il a moins de ressources parce qu'il a beaucoup de command center, donc il peut faire beaucoup de mio. Pelleter. On va commencer à faire l'upgrade du mech. Peut-être pour les Vikings. Bon, peut-être que plus tard, il va changer de game. Produire encore plus de baraques. Tandis que Riser lui upgrade le Plasma Shield, fait un autre Nexus, recommence la production de Colossus parce qu'il y a notre Anizoro. Oh, décide de faire un drop en haut, ne réussit pas à feedback les Mizivac, attends, et il va perdre deux Archons ici. Donc c'est un bon trade pour Zoro. Ouais. Alors va-t'en, job. Ok, Zoro décide de réussir à sauver ses deux Mizivac sans trop de pertes, a réussi à tuer peut-être quelques props, des Archons. Ouais. Et sauf que là, le gros problème, ce qui se ramasse pour le late game, c'est l'engagement. Parce que ça peut aussi bien aller d'un bord que de l'autre. Tout dépend des MP okay, de là, la composition. Et là, le Warpress qui fait des petits drops à droite, à gauche, là, c'était prévisible. On l'avait dit tantôt qu'il était en. Tu sais, Pitbull. Oh my god, nice shot! Même si tu réussis à maquer 4 Zilot avec un Void Press, est-ce que c'est suffisant? Quand tu regardes la production du Zoro, qu'est-ce que 4 Zilot va faire pour l'arrêter ici? Peu ou pas grand chose, là. Ça chatouille. Aïe, check ça là, les gosses, il y en a au pouce carré. Zoro ici, énormément de production, énormément d'économie. Encore des racks, il sait même plus où les mettre. Le problème n'est pas sur la quantité qu'il peut faire, mais comment faire un engage favorable pour lui. Parce que Protoss, malgré. Si il crush la main à Zoro, peut réussir à faire un comeback ici. Là. Ok, il y a beaucoup moins de CV tantôt, là. 67 contre 55. Fait que je pense qu'il a compris qu'il avait besoin de place dans son supply, c'est une bonne chose. Ok, là le Protoss il bouge. 1, 2, 3, 4. Il y a beaucoup de Colossus, des Archons, des Zilots. La game va se jouer là, Pitbull. Ça va se passer là. Est-ce que non, je pense si Protoss réussit à faire un bon fight, peut gagner. Ça va vraiment jouer là. Ouais. Si Protoss il fight bien, il peut gagner. Mais. Il y a beaucoup de ghosts, il y a beaucoup de medivac, il y a beaucoup de vikings. Zoro sait que le protest est sorti. Il doit s'en douter un peu parce qu'il est à la Watchtower. Ouais. Tu vois que les deux ils font très attention à comment se placer. Ils veulent pas tout se faire EMP, ils veulent pas se faire Storm, toute la ramener d'un coup. Donc sépare un peu. Essaye de. En plus, Zoro ici a l'upgrade cloak. Il pourrait essayer d'avancer avec des ghosts, faire quelques EMP. Voir un peu qu'est-ce qui arrive. Ok, et voilà, fait le scan, voit exactement la composition, voit exactement quand il est placé. Et Zoro push, fait quelques MP sur l'armée, mais je suis plus de Colossus que d'Arcon, on a l'impression. Et le combat commence, Pitbull. Eh ouais, non. Ok, kite-moi ça, là. Parfait. Un coup, il va débarrasser des Zilots, ça va être beaucoup plus facile, mais. Et le Protoss qui mange l'armée de terrain. Oh, c'est qu'est-ce que c'est. Il a pris l'armée de terrain de Zoro. Il a 4000 de ressources, 3000 de gaz. Énormément de baraques, mais est-ce que c'est suffisant? Parce que l'armée Protoss, elle, est encore là. Oh les gars! Hey, check ça! Oh my god, so much MP! Les gars, ils ont fondu! Avec les snipes! Regardez le shield des immortels! Oh my god! Zoro vient de sauver la situation dans l'espace de. Au moment où on craignait pour Zoro, il nous a sorti des MP snipes, des boules. Mais là, il y a encore 4 Colossus. Il faut absolument qu'il ressemble à la production de Viking. Parce que en ce moment, c'est le seul bird que le Protoss a. Ouais. Zoro qui fait des starports, même au milieu du combat ou des command center. Ben, ça distrait un peu l'armée, là. Je veux dire, ok, là, il y a un petit combat ici. Là. T'as les Colossus ici. T'avais des Islots dans la ligne de minerai. Mais il y a un planétaire qui défend tout seul. Les Colossus sont en mode je fonce dans le tas. Les Vikings. Et les gars sont toujours là. Ah ouais, là, les gars. DPS. Là. Ben je crois que Zoro va holder ça là, like a boss là. C'est une question de temps là. Ok, il y a 4 Archons. Il lui faut du anti-air Pitbull parce que les Vikings font du free DPS sur les Colossus. Hein. Ouais. 4 Archons, 2 Colossus en interplan. Qu'est-ce que ça va dire? Oh merde! Non! Ok, Zoro qui.
qui a fait encore plus de star pods, va produire peut-être 10 vikings à la fois. Non, moi j'ai des stuff to the corner, je buy les mouches, big de jouer terrain, c'est la grosse banque de Zoro a été épuisée par moi, mais ouais, il avait 4000 là, il est disponible à 700, c'est plus le temps de pouler, mais il faudrait seulement qu'il fasse des bons trades parce que... Oh, et le Protoss décide quand même de rester. 3... Ah mais tu sais, le Protoss est rendu 3-2-3 aussi, là. Ça commence à être compliqué. Là. Ouais, mais il faut pas oublier que le Protoss a eu tout le début de game pour se ramasser une bonne armée de com de High Templar, de Colossus. Là, présentement, il n'a plus ça. Ouais. Oui, il a des Archons, mais c'est une armée beaucoup plus facile à gérer que l'ancien 200-200 qu'il avait. Hein. Ouais, ça c'est sûr. Tandis que Zoro, lui, a le pouvoir des Ghosts, Marines, Maraudeurs, il a tellement de production qu'il peut se ramasser très rapidement. Mais Zoro est en avance sur l'économie. Il est légèrement en avance sur le supply. Le nombre de travailleurs reste le même, 54-55, on peut dire que c'est pratiquement la même chose. Tout va se décider. Ok, là il y a un autre CC qui est tombé du côté de Riser. Pas un CC, un Nexus, c'est ça. On voulait une macro game, je pense qu'on l'a eu, moi aussi. Oui, on a enfin une macro game après tous les cheats qu'on a eu. On a enfin une game qui est serrée avec beaucoup d'engagement, beaucoup de prises de combat ici. C'est ce qu'il faut retenir de cette partie-là. Ça a été beaucoup joué sur les prises de combat, sur les MP, sur les Storms, ouais. Sur la composition d'armée qui est très importante. Là, faudrait pas que Zoro se fasse prendre comme dans cet endroit-là. Là. À cause de la petite diff, le CC, la Rax, ça serait très difficile d'avoir un engagement décent. On voit okay, qui essaie de pouvoir faire des MP, de trouver des cibles faciles. Parce que s'il y a MP dans la grosse armée Protoss, tout stacké comme ça, il va passer comme dans du beurre là, avec ses marines maraudeurs. Et le Protoss, c'est encore deux hubs. Là. Ça, c'est moins facile pour Zoro. Là. Présentement, Zoro a la parfaite composition pour la Midriser. Tout dépend des MP. On est rendu à 1, 2, 3, 4, 5, 6 bases Protoss. C'est ceux qui minent pas toutes. Contre 1, 2, 3, 4 avec deux autres. C'est 6 pour 6 bases. Et Zoro qui décide d'avancer. Commence les MP. Va-t-il avoir cette burst? Les gelottes en fond sont. Ah, un star. Ça fait mal. Mais je crois que ça va être correct. Ouais, les deux s'échangent les coups. Est-ce que Zoro. Je pense que Zoro commence à prendre le dessus. Oh, oui, là, attends, on est à 173 de supply contre 121. Là, Zoro est en mode je te chase et tu t'en sortiras pas. Il va falloir des storms. Ouais. Mais non, on décide de faire le Archon. Ouais, je pense que c'est une bonne idée, ça, cet Archon-là, là, pour de vrai. Là. C'est un combat de. Oh, les Colossus qui arrivent au bon moment pour les Survivor. Aïe. Zoro a énormément de difficultés, c'est des combats très serrés. Ouais. Mais là, avec les remparts, je pense qu'il va avoir le dessus, là, Pitbull. Ah oh, mais là, le maudit Colossus, il veut pas mourir. Le héros viking qui se suicide pour la cause. Ça fait beaucoup de DPS et des engagements très, 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 très serrés. Pendant ce temps-là, Riser a eu le temps de faire deux bosses de plus au top. Zoro qui commence à être très pauvre en argent, tu vois même que l'income est un gros problème pour les deux joueurs présentement. Les supplies se sont beaucoup resserrés. C'est une game qui peut aller n'importe quel bord ici. Là, le problème, là, c'est que c'est comme... T'envoies une invitation, on s'en rejoint au rack abaissé, tu pètes la gueule. Mais y'a pas beaucoup d'arras dans les bases d'un côté ni comme de l'autre, là. C'est vraiment rigolo. Ah, mais y'a pas de hubs! Y'a pas de hubs! EMP, oh my god! Est-ce que Zoro va laisser s'engager ici? Ben oui, faut qu'il engage. Faut qu'il engage ça. Riser devrait backer, il ne veut pas perdre ses archons ici. Ah, et puis de. Ah non, pas une autre observer, il est juste là. Oh, il est sorti d'avant! Oh oui! Oh my god. Donc, Riser décide de désengager, ne veut pas perdre sa compte pour de manière gratuite. Donc, ça en va. Zoro, qui remarque qu'il avait un Nexus en haut de la map, va sûrement essayer de détruire. Ben, va prioriser la base avec les probes. Ouais, hein, c'est ça. Il y a ben, ça, c'était bien joué de la part de Zoro. Là. Et, ok. Et, là, par exemple, on voit que je vois que les Mules arrivent à être en avance en supply à 170 contre 124. Game, okay. C'est une grosse macro game. Ouais. Là, on a des civils qui traînent un peu partout de la côté du Zoro. Il va essayer de les répatrier à des endroits. Hey, va-t-il avoir le Nexus? Va-t-il avoir le Nexus? Oh oui, carrément. Et Riser décide de. Bon, moi je l'abandonne. Abandonne le Nexus. Zoro. Il va épogner l'autre.
Ouais, je pense que Riser a décidé que tout se jouerait sur la prochaine attaque, ne veut pas perdre de unité là-dedans, veut rester groupé, ne pas se séparer, parce qu'il a sûrement peur que Zoro puisse pousser avec son armée. Pour la B3 ou la B4, possiblement. Ouais, mais s'il y avait eu juste, mettons, un pilon ou deux dans chaque base, il a pu warper des units et essayer de défendre ça, c'est triste pareil. Mais bon, il veut pas se faire prendre en contre-pied d'aller défendre avec une partie de son armée, puis que Zoro contre-attaque, je comprends ça aussi. Hein. Riser qui prend une nouvelle base en bas, dans le coin de 9h. On a beaucoup de idle drones un peu partout sur la map. Dans les gaz, là, c'est fou. Et tantôt, Pitbull, on niaisait, on disait peut-être qu'on va voir une grosse map de 3... une game de 3h, de Frost, visée de minerais, ça va peut-être se produire. Ouais, ici. Ouais, tu l'avais collé, moi. Je vais regarder checker ça. c'est par-dessus le Nexus. Épique. Bon, ok, on a un autre petit drop de Zoro ici, là. Fait, il tue encore quelques profs. Ce drop-là, ça a sûrement été le drop le plus worth de toute la game pour Zoro. Il a tué deux Nexus, ouais. Une trentaine de profs. Oui, oui, oui. Très, très, très worth comme drop, là. Et là, le Cécile va faire comme, oups, ok, la place est déjà occupée, sorry. Voilà en haut, d'abord. Là, l'armée Protoss commence en mouvement. Ils vont se regrouper vers les bases du bas. Ouais. Et ça va être un gros fight très important. Ouais, là. Je crois que c'est le dernier engagement, ça. C'est 200 de supply contre 140 du Protoss, mais le terrain est sûrement plus décidé que le Protoss. Donc, on sait pas trop c'est quoi les armées supply, mais on va peut-être pouvoir le voir. Ou Dos, ou. Ouais. On voit. Ouais. Beaucoup de marines, énormément de ghosts, 24 ghosts pitbull. Est-ce que tu sais si les snipes c'est effectif sur le. Ouais, parce que les unités Protoss là, ils ont beaucoup de kills là. Puis et le combat. Tout va. Oh, oh my EMP, ça, regarde. Et la quantité d'EMP pitbull. Oh, là, là. Que...